se revendique d'une vision citoyenne de la culture, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une défense purement corporatiste de ce que peuvent être les cafés culture ou les cafés concerts en France, mais plus revendiquer une vision sur ce qu'est la culture, la démocratisation culturelle, la diversité artistique, ce que représentent ces lieux dans la filière de la diffusion artistique en France, en complémentarité avec d'autres lieux comme peuvent être les SMAC, et non pas en opposition. On revendique justement la défense de la diversité artistique et culturelle, l'indépendance de ces lieux face à l'uniformisation qu'on peut constater parfois sur le secteur culturel en France. Il y a de multiples projets artistiques et culturels, et puis des structures comme le CAFCONS, qui revendique d'être le circuit court de la diffusion en France, c'est-à-dire grosso modo des musiciens locaux pour une population locale, avec une diversité, parce que le lieu, il dépend aussi du responsable de cette structure, tant dans l'atmosphère qu'il propose, et là on en a une ce soir, mais aussi dans l'offre artistique qu'il propose. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est bien justement ces artisans de la culture, qui sont de l'initiative privée, en effet, mais c'est du ressort de la liberté d'expression, quelque part, des passionnés, souvent de musique, en fait, qui partent sur une aventure d'ouvrir un bistrot et d'ouvrir et de proposer une offre culturelle et artistique variée sur nos campagnes et nos villes. Mais ils ont un pied aussi dans l'hôtellerie-restauration, et donc ils sont liés à des difficultés que peuvent vivre ces microstructures liées à l'hôtellerie-restauration. Et puis souvent, ils doivent gérer la vie la nuit, et donc ils sont liés à des problèmes qui sont plutôt réglementaires, liés à ce qu'on va appeler, de manière un peu propre, le bien vivre ensemble sur nos cités, et c'est-à-dire permettre à la fois à ce qu'il y ait un véritable droit à la fête, dans le respect des riverains. Soutenir la création artistique, travailler avec des artistes de la région, mais pas seulement, permettre de mettre à disposition un espace d'expression. Parce que le plan B, on le voit aussi un peu comme ça, comme un lieu public qu'on peut mettre à disposition de structures avec lesquelles on s'emphase. Ou d'artistes qu'on a envie de défendre, de promouvoir, quoi. Ce genre de lieu, a priori, ça peut... Enfin, ça a son rôle dans la chaîne globale de diffusion de la musique. Les groupes, ils passent rarement du lieu où ils répètent à des salles de concert, comme le Confort Moderne, etc. Il y a des lieux entre qui permettent, je pense pour eux, de se professionnaliser, ou pas d'ailleurs, hein, mais... Et puis c'est aussi des lieux d'accès pour le public à une offre diversifiée, pas uniformisée, enfin... Et accessible. Ouais. En tout cas, au niveau coût, c'est vrai que là, c'est très rare qu'on fasse des entrées à 3 euros. Souvent, c'est entrée libre, donc voilà, ça permet d'être accessible pour tous. Enfin, les entrées qui sont générées sur les soirées, c'est des entrées payantes à 3 euros, servent à payer le cachet de l'artiste, la bouffe. Enfin, quand je dis cachet, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est pas toujours un cachet, justement. Sinon, c'est des factures, parce que quand il y a des groupes qui viennent jouer, généralement, ils sont, je sais pas, entre 3 et 5. On peut pas, pour l'instant, je sais pas si on pourra un jour, payer un cachet par artiste, ce qu'on aimerait, mais ce qu'on peut pas faire. Pour pallier à ça, je pense que... Enfin, une des solutions, ce serait... notamment de passer par des financements publics pour organiser des projets culturels. En plus, là, on l'a vu en ouvrant le plan B, vu le nombre de groupes qui nous ont sollicités, on a quand même un petit peu halluciné, quoi. Ça montre qu'il y a un gros besoin, il manque des lieux de diffusion. Ils ont aussi besoin de jouer, eux, de se confronter à un public, et s'il n'y a plus ces lieux intermédiaires-là, bah, ils font quoi ? Là, évidemment, il n'y a pas là. Quelque chose qu'on ne peut pas dégager. Enfin, on peut tout et enlever. Et ça, là, c'est possible, là, ouais, voilà. On peut tout enlever. Par contre, jusqu'où il faut enlever ? Parce qu'en même temps... Bah, en fait, on prendrait tout ça, quoi. Mais jusqu'au fond ? Ouais. Allez, ouais. On se met là. Ok. Ouais. D'accord. À juger. Allez, c'est parti. Bon. Ça, on peut ouvrir et tout. Ça, oui, on peut les ouvrir. On peut jouer dedans, des fois. On peut les ouvrir complètement, d'ailleurs. Oui, ça serait bien, ça. Ouais, sans problème. C'est pas un souci. On va faire des trucs.
Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Ah oui, oui, oui. Je crois que... Si j'ai l'autorisation... Oh, bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Enfin, voilà. D'accord. Ça ne peut pas être plus clair. Je crois qu'on va faire ça. Ouais. On va installer les instruments électriques, les gros trucs, là. Et puis après, les gens, ils vont... On déambulera, des fois, dans la deuxième partie, peut-être. Avec le Lobs, là, du coup, ça sera la première fois qu'on va jouer dans un café-concert, ce qui est quand même un petit peu compliqué parce qu'on est nombreux. Il y a 20 musiciens en tout. Et évidemment, il faut que le lieu ça, voilà, s'approprie à ce genre de formation ou que nous, on s'approprie à ce genre de lieu. Voilà. Moi, j'aime beaucoup jouer dans ces lieux-là parce que dans les salles de concert, bon, on sait, il y a un code, tout est prévu à l'avance, mais dans ces endroits-là, non. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est vrai que souvent, on ne joue pas parce qu'on ne peut pas jouer, parce qu'on ne veut pas de cette musique-là. Voilà. C'est notre problème, quand même. Je pense qu'il faut trouver des solutions, il faut inventer, mais surtout, il faut oser, quoi. Il faut oser prendre des gens comme nous, parce que sinon, qui va venir écouter ça ? Notre musique, on veut qu'elle soit vivante, hein. on veut jouer. Que ça soit dans des lieux, voilà, dans n'importe quel lieu. Voilà. Mais évidemment, dans des lieux comme ça, où les gens viennent écouter quelque chose, c'est bien. Parce que ils viennent, ils sont curieux, ils ont envie d'entendre. C'est d'abord les identités culturelles de personnes, des personnes elles-mêmes, c'est pas des groupes. Enfin, chaque personne choisit son groupe, et l'enjeu de la société, c'est comment toutes ces identités différentes, où chacun peut s'acoquiner avec plusieurs groupes différents, il n'est pas condamné, le jeune n'est pas condamné à aller au même café, s'habiller de la même façon, même association. Donc il faut partir politiquement de l'idée que chacun a son identité culturelle, l'a construit. Donc effectivement, s'il l'a construit, il l'a construit dans la complexité des relations avec les autres, et donc dans la complexité en fonction des opportunités que lui propose l'espace public. L'espace public qui comprendra l'expression artistique, on va pas dire musicale non plus, même si c'est plus facile de dire musicale. Enfin, c'est l'espace public qui fait des opportunités, quoi. Voilà. Et en multipliant les occasions. Ce qu'on appelle bêtement souvent sortir. Mais enfin, ce qui est embêtant, c'est que on a complètement annulé la nécessité de dire qu'il y a une différence entre des formes de musique dionysiaque et des formes de musique apollinienne. On a supprimé l'idée qu'il y avait des musiques qui voulaient dire, qui étaient revendicatrices d'un mouvement social et d'autres qui simplement ont fait la fête parce qu'on avait le bac. Tout ça s'est annulé. Et je pense que là, il y a une erreur profonde et que ce serait très important que les élus, en tant que l'élu, enfin, comme figure symbolique, hein, comme figure de responsable du collectif, quoi, hein, qui est responsabilité d'une vie collective, soient plus fins dans leur approche de cette diversité-là, et pas simplement c'est des jeunes, c'est le soir, c'est bruyant, et... On a eu la musique, c'est plus compliqué que ça, à la fois dans son histoire et dans sa façon d'être dans les rapports, dans la construction des rapports de vivre ensemble, quoi. Ça, c'est... Non, les bars, c'est pas qu'un lieu de beuverie, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu d'échange. Je sais que moi, j'ai eu plein de... Même professionnellement, j'ai eu plein de contrats, j'ai eu plein de projets qui sont nés dans des bars. Et après, si on parle autre que professionnellement, ben voilà, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et ça participe quand même à un petit vent de liberté et d'expression. Et... Je vais bosser dans des endroits où je suis payé, accueilli. Après, je sais très bien que c'est pas le cas partout, et qu'il y a toujours certains patrons de bar qui ont des pratiques
très douteuse que ça existe encore. Ouais. Et ça risque pas de s'arrêter tout de suite, je pense, parce qu'il y a une telle demande des DJ, des groupes pour pouvoir jouer, qu'ils arrivent toujours à trouver un petit groupe pour qui c'est la seule occasion de jouer devant un public. Donc, quelles que soient les conditions, ils y vont. Quoi. C'est pas Sherlock Holmes, ça change de s'il te plaît. C'est pas moi, Ah non, alors pour la petite histoire, ouais, moi je m'étais lancé dans un projet solo, basse et batterie avec les pieds, je m'en sortais pas. Flo, on a de faire connaissance, je lui ai dit de venir boire un café, bosser sur Sainte à l'époque, moi j'étais à Cognac. Et ça a été tout simple, je lui ai dit tiens, regarde, j'avais 3-4 morceaux. J'avais une grosse caisse claire à Charlet. On a commencé comme ça, vraiment hyper minimaliste. Bon, ça a été hyper naturel, on s'est même pas dit on monte un groupe, on l'a juste fait, et au bout d'un moment on s'est dit ça nous plaît, et ça marche bien quoi. Après on a rajouté la voix. On a tout de suite eu 6 titres qu'on a enregistrés rapidement, et on a fait un concert au Mars Attack, et on a eu des retours directs hyper « waouh, qu'est-ce que vous faites quoi ?» Bon, c'était vraiment très simple, moi je savais à peine jouer, mais si tu veux, c'était en place, et poum-tac avec... un truc un peu asymétrique de temps en temps, et c'est parti. C'est que les 6 premiers morceaux étaient tellement défoulatoires et sans pression, et sans. C'était pas calculé, et ça. C'était pas parfait, mais ça a vachement plu aux gens, quoi. Le fait que. Putain, un groupe qui. C'était frais, je pense. Ouais, frais, et sans prétention. Ouais, sans ambition particulière, quoi. Ouais. Moi, au début, je voulais pas trop faire concert. Il m'a dit, tiens, on fait un concert dans un mois. Je dis, ah ouais. Ça a été le premier. Ça a coulé de source et après ça s'est plus jamais arrêté quoi. C'est qu'en fait je suis arrivé à Poitiers parce que Laurent était à Poitiers et j'avais rien d'autre à foutre que de glander sur MySpace. C'était en 2004, c'était un peu le début tu vois de MySpace. J'avais rien d'autre à foutre que de contacter des groupes étrangers, tiens en Allemagne. Ah c'est les mecs. Ouais voilà, vous avez moyen de nous trouver 6 dates. Et j'ai essayé de mettre le plus de dates possible à la suite quoi. Tant et si bien qu'il y a une année où on a fait genre 100-110 concerts à peu près. Je pense à cheval entre 2005 et 2006. N'arrêtez pas quoi. Au début, on s'en foutait. Moi, j'avais un Chrysler Voyageur, on prenait la route. On revenait, des fois, il y a de la thune, des fois, il n'y en avait pas. Souvent, il y en avait, on s'est dit, c'est cool. Il y avait quand même plus d'argent quand on partait et qu'on faisait au black que quand on est devenu intermittent. Ouais, et on partait à deux, et puis souvent avec un mec qui pouvait nous conduire quand un pote était là. Bon, c'était les conditions, il fallait avoir 20 ans quand même. Hein. Parce que c'est vrai qu'on était. On serait plus là. On a été un peu les premiers, on a déblayé un peu tout le trajet Angleterre-Écosse, là, tout le réseau que maintenant les gens empruntent dans la musique. Rock Noise, c'est-à-dire que tout de suite, on a eu déjà envie de se barrer. Enfin, c'était un peu marrant parce que lui, il vient quand même d'un bled. Moi, Gatien, notre truc. Enfin, moi, je viens de Gatien, le nom, ça vient de la rue où on répétait, quoi. Je viens d'un bled de 1000 habitants où il n'y a que des ostréiculteurs ou des maçons. Donc, si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de... Tu vois. Ça nous faisait marrer. Des fois, on était là au fin fond de l'Écosse, on se dit, putain, te rends compte, on vient d'un bled et on se retrouve là et on est payé en plus. Ouais, c'était chouette. C'est vraiment cool. Après, il a fallu devenir intermittent, c'est là que ça a été un peu plus... Voilà, on s'est mis à cogiter, ah ouais, on peut gagner de l'argent, ah ouais, c'est un boulot, ah ouais, il faut de la rigueur. Voilà. Ça a commencé à être un peu plus... La Nef et puis Francis Vidal d'Aller les filles, qui est un des plus gros organisateurs du Sud-Ouest, ont commencé à s'intéresser un peu à nous et à dire, attendez les mecs, 110 dates là, comment vous vous démerdez, comment vous faites pour être payé, il y a moyen de se professionnaliser. On a dit oui, puis on a réussi à... Enfin, moi je suis resté que musicien pendant 2 ans. Vraiment, et après ça m'a un peu... C'était un peu gênant de jouer dans des bleds juste pour le cacher. Ça m'a un peu fait perdre la flamme à un moment. Et du coup j'ai essayé de trouver un peu d'autres choses à faire, toujours en restant intermittent, mais voilà. Que la musique c'était un peu... J'aimerais bien, si tu veux, mais dans des bonnes conditions. Ah, il faut... Si tu veux vraiment vivre que de la musique en France en étant intermittent, il faut plusieurs groupes. Ouais. On peut pas avoir, surtout un groupe comme nous de punk rock qui va faire aller 20 dates cachetonnées quoi, par an maximum. Ouais, c'est ça. Pour en faire plus, mais après tu le fais. Tu fais une fois le Tour de France, 2 fois, 3 fois, tu peux pas. Que là, d'avoir d'autres projets, d'avoir notre statut qui est fait avec d'autres projets aussi, on n'est plus des contrats. Voilà, ça reste un gros moins. Et puis, y a eu un moment où nous, dans notre carrière,
le café-concert, c'était entre deux bons plans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire qu'on faisait, genre, il y avait une grosse salle et on faisait deux caf-cons. C'est génial de pouvoir être accueilli sur la route comme ça. En plus, parfois, ça te coupe un peu la poire en deux sur le trajet. Et nous, on est tombé sur combien de limonadiers, quoi. Enfin, on en a fait combien? On a fait de bars qu'on fait 2-3 ans de concert et après, ils arrêtent, les mecs, ça y est, c'est pas rentable, pas de chier avec votre nourriture. Et puis, il y en a qui se basent un peu sur le modèle, si tu veux, anglo-saxon, là, avec des tickets, des machins, c'est pas ça. Le vrai CAF-Cons, c'est un café-concert qui devient connu parce que tout le monde passe sur ce trajet-là et sait qu'il va être accueilli dans de bonnes conditions. Il n'y a pas à y avoir forcément beaucoup d'argent, mais que le mec, il sait la musique que tu fais, il connaît tes influences, et en général, il a éduqué le public de la région. Ouais. C'est ça aussi, il y a une question d'éducation, si tu veux, du public, quoi. Je rappelle que c'était des fois immensément bordélique et c'était clairement à l'époque quand on partait faire une tournée en Bretagne, on fonctionnait qu'avec du cash. Hein. Enfin moi si tu veux, je regardais l'autre jour là, sur les trucs de retraite et j'ai quand même quelques zones de flou inscrits sur les barèmes où voilà quoi. Enfin bon c'était dans notre mode de vie. Où finalement à l'époque c'était le RMI et puis on avait ce truc là et puis on complétait alors bon il fallait pas qu'on ait un moteur qui lâche ou même avec un camion parce que c'était vite la galère mais on s'est retombé sur ses pattes quoi. Donc c'est vrai que les us et coutumes autour du black étaient institués aussi un peu par les groupes quoi. C'était enfin certaines catégories de groupes jusqu'à ce qu'on commence à structurer et puis que d'un seul coup on se dit bah tiens en France finalement il y a des groupes qui peuvent peut-être vivre de leur musique. Nous c'était je crois clairement un truc très con mais on s'est jamais penché sur ce problème sérieusement. C'est chaud là. Moi c'est Thibaut Crête, ce soir je joue en tant que Bud McMuffin. Bud McMuffin One Man Band, plus exactement. C'est-à-dire que je suis un homme orchestre, en fait. C'est-à-dire que je joue de plusieurs instruments en même temps. De la guitare, de la batterie, je chante également. Et voilà, j'utilise une petite pédale qui permet de mettre des instruments comme la guitare en boucle. Et voilà, et donc ça fait un petit moment que je joue. J'ai commencé à jouer... Donc quand j'avais une quinzaine d'années, former des groupes avec les amis du lycée. Et donc voilà, au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé à devenir intermittent du spectacle. Et à faire beaucoup de café-concerts, à jouer énormément dans les bars et les restaurants également aussi. Et le fait d'être tout seul, ça facilite énormément les contacts avec les tenants, les gérants de bars et de restaurants, puisque c'est déjà d'une part c'est moins cher, d'autre part ça fait moins de bruit et en plus c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Je prends pas beaucoup de place, je suis tout petit. Donc voilà, donc ça fait maintenant que je fais cette one man band, ça fait presque 5 ans maintenant et ça fait à peine un an que j'en vis. Je suis dans une association qui s'appelle La Mouette à Trois Queues, qui est basée sur Poitiers, et qui est un petit peu non seulement mon cadre administratif, mais aussi ceux qui font la promotion de mes spectacles, donc qui m'aident déjà voilà, à essayer d'avoir un cadre légal par rapport au statut d'intermittent. Et ensuite, ils arrivent à
à en faire la promotion parce qu'ils ont des contacts assez, assez divers dans la région et même au-delà. Donc effectivement, ça aide. Et c'est ce qui fait que ça a tout changé et que maintenant j'ai le statut parce qu'avant... Et depuis que je suis dans cette association-là, maintenant tous mes concerts sont déclarés et sont dans un statut complètement légal. C'est que je continue toujours le côté one man band parce que j'adore ça et j'adore jouer dans les cafés-concerts. Ça reste un truc génial parce qu'il y a une proximité avec le public qui est quand même beaucoup plus intéressante que dans les salles. Et en même temps, à côté de ça, je développe Bud McMuffin en trio où là, ce serait plus destiné quand même à jouer en salle. Dans les salles, en général, les gens viennent sans forcément connaître. Enfin, quand ils sont habitués à venir dans une salle, ça peut leur arriver de venir. Déjà, il y a plus de monde qui vient. Dans un bar, c'est très limité. On est à 50 personnes maximum. Dans une salle, on peut aller jusqu'à 200 minimum. Donc, moi, je trouve que les deux sont intéressants, quoi. Donc, après, je pense que les cafés-concerts doivent continuer à exister parce qu'on propose autre chose que ce qui existe dans les salles de concert habituelles. Dans les salles de concert, ça va être très souvent soit des groupes en tournée, soit des groupes assez connus qui font venir du monde, quelle que soit, hein, que ce soit des petites salles de musique actuelle ou des grosses salles subventionnées. Voilà. C'est un petit peu le même registre, c'est-à-dire que c'est, même si parfois ils prennent des risques, ça reste quand même très souvent quelque chose des groupes qui sont un minimum connus, même si c'est un minimum. Hein. Au moins qui ont un public particulier. Alors que je pense que dans un bar, on prend plus de risques et les gens viennent plus facilement voir des choses qu'ils connaissent pas par rapport à une salle de concert. J'ai été un peu président du confort et on a toujours eu ce débat sur, finalement, techniquement, qui se joue sur pratique amateur, pratique professionnelle. C'est-à-dire comment et jusqu'à quand t'acceptes un groupe amateur en construction, avec des fois... voilà, moi je pense qu'il y a des groupes, bah, ils sont pas mûrs pour faire une scène, même celle d'un bar, parce que c'est pas carré, parce que les compos sont pas bien, peut-être leur dire, mais d'un autre côté, tu peux pas acheter non plus, tu te désintéresser totalement des groupes amateurs, parce que là-dedans, il y en a qui vont émerger. Donc voilà, je crois que c'est important de prendre en compte aussi ce terreau, qui est super important, et qui a à la fois une valeur intrinsèque artistique, et puis aussi la considération que bah, les SMAC, je déteste ce mot, parce que ça fait le bruit d'un bisou, mais ces lieux qui travaillent avec des,
de l'argent public, qui travaillent avec, avec l'aide publique, prennent en compte ce rôle de, d'incubateur. On attaque les bars sur le fait qu'ils fassent du bruit, mais c'est rarement totalement lié en fait aux soirées ou aux concerts qui peut y avoir. La plupart du temps, les plaintes, quand il y en a, sont sur le bruit qui est fait à l'extérieur, plus que sur le bruit qui peut sortir du bar du fait d'un concert ou d'une soirée DJ. Et voilà, le lien qu'il y a, c'est que ces soirées-là attirent du monde. Donc, il y a, du fait de l'interdiction de fumer, il y a d'autant plus de monde dans la rue, donc d'autant plus de nuisances. Et voilà, moi, je comprends tout à fait la nuisance que ça peut provoquer à des riverains. Après, voilà, on parle de Poitiers. C'est quand même un visage important de la ville, cette activité nocturne et cette activité studentine. Donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, sauf que à l'heure actuelle, il y a aucune négociation possible. Et que c'est forcément... la faute revient forcément au bar. Et que voilà, on les prend les uns après les autres, et c'est fermeture administrative les uns après les autres. Et du coup, les soirées se réduisent à vue d'œil. Et cette réduction des soirées, je trouve, se ressent sur l'ambiance de la ville. Ouais. Aller gueuler dans un micro et aller coller un riff de gratte sur un Marshall avec un son un petit peu supérieur à la norme, je te laisse mesurer la valeur du un petit peu, est-ce que c'est grave, quoi? Moi, c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'on fasse attention, mais malheureusement, c'est une tendance de fond à vouloir normaliser tout ça, mais parce que derrière, c'est aussi une vision politique, une vision philosophique. Ça, ben, Loïc va pouvoir gérer ça. Hein. De toute façon, je pense qu'il y aura toujours cette envie d'individus et de groupes d'individus, de collectifs, formel ou informel, d'aller dans le sens du détournement de ces normes, quoi. Enfin, ou d'éviter ces normes, ou d'être dans un fonctionnement un peu risqué, quoi. Enfin, c'est aller sur cet ailleurs, quoi. Je pense que c'est aussi important. Voilà, alors après, pour les troquets, moi j'en viens, ça peut être une structuration, il y aura des troquets qui répondront à l'appel, puis tu auras des troquets qui diront « bah non, pas besoin de ça, quoi ». Après, je sais pas dans quelle proportion, ça c'est le terrain qui le dira, mais les troquets qui veulent se structurer en réseau, comme ça, bah, c'est très bien. Par contre, à l'intérieur de ces réseaux, c'est d'imposer, et là j'emploie le mot « imposer » qui est pas très rock'n'roll, mais c'est un contrat antéphéotique, je sais plus comment dire, mais donnant-donnant, quoi, c'est-à-dire... Si t'aides ces lieux, il faut que eux remplissent une charte de respect de conditions sine qua non pour que les groupes et les publics soient dans un accueil suffisant, quoi. Parce qu'il y a aussi le respect des publics, quoi. Barbare est une sorte d'appel à préserver des lieux de rencontre, des lieux d'échange, bien sûr, où on vient boire un pot, on discute, mais où il y a aussi de la diffusion culturelle, et notamment des artistes qui souvent démarrent là, hein, et qui ensuite vont faire un parcours, ou vont pas faire un parcours, mais en tout cas c'est un des lieux de l'émergence qui est très important et qu'il faut absolument préserver. Donc ce sont des artisans, des indépendants qui sont derrière et qui sont concernés, et pas des grandes chaînes
j'allais dire, d'entre grandes entreprises. Et donc, ça participe aussi à une certaine idée du vivre ensemble dans nos villes. Et donc, l'enjeu politique et sociétal, c'est de préserver ces lieux et de préserver leur vocation. L'objectif, c'est de, j'allais dire, au-delà de ce qu'on peut faire localement, c'est de créer un cadre réglementaire qui stabilise des choses et qui permette aussi de pérenniser ces lieux et de leur donner une réalité, j'allais dire, durable. On replace le lieu dans l'intérêt général, à un sens commun au sein de la ville. Et à ce titre, on est très sollicité à la fois par les lieux, bien entendu, puisqu'on est là pour ça, mais aussi par les collectivités, qui ont besoin d'appréhender et de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir mieux redéployer leur politique publique. Alors nous, ce qu'on met en place très concrètement, et oui, on est sollicité sur des cas précis, mais aussi sur des cas collectifs. Et donc, on est là à la fois pour porter un discours, mais aussi mettre en place des surfaces de dialogue et de concertation avec l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est d'un côté les professionnels, que peuvent être là les CAFCONS, mais aussi les discothèques, mais aussi les SMAC, les festivals. De l'autre côté, les municipalités, les préfectures, les représentants de l'État, les forces de l'ordre, et de l'autre côté, les riverains. Donc on est sur des choses très complexes parce qu'on touche à plusieurs politiques publiques aujourd'hui. Et donc il faut accompagner ces collectivités, l'État, dans l'appréhension globale de ce que sont ces structures, comme je viens de l'expliquer, sur, on va dire, trois grosses politiques publiques, la culture, l'économique et la réglementation. Moi, je ne suis pas là pour imposer une politique. Je suis là pour entendre, écouter et essayer de donner du sens à des énergies qui existent déjà, qui sont là potentiellement, qui n'osent pas s'affirmer, qui ne peuvent pas s'affirmer. Comment mettre tout ça ensemble ? On a des diffusions, mais on doit aussi avoir de la médiation, on doit aussi avoir de la formation. Comment on fait tout ça ensemble ? Comment fait-on pour le faire progresser ? Et ça, c'est, je pense que c'est une co-construction permanente. On a une ligne directrice vers laquelle on veut aller. Que la ville soit festive, qu'on ait de l'animation, de la formation, de la médiation à l'année. Et après, en fonction de nos énergies vitales, du moment, de tout ce que les uns et les autres on a envie de faire, l'élu et la culture doivent essayer de regrouper tout ça, de faire parler ensemble, de co-construire, sachant que l'idée de juxtaposition ne me déplaît pas non plus, parce que les projets, ils doivent garder leur autonomie. Il faut garder ces autonomies qui sont des sources d'énergie vitale. C'est l'énergie vitale. Si on essaye de tout regrouper de manière obligatoire, impérative et sans laisser de marge, de créativité, de volonté aux uns et aux autres, on tue l'activité. On joue un rôle important quand même. Les populations viennent, si on veut des jeunes, viennent travailler, viennent s'installer, s'il y a quelque chose, si on offre de la vie. Donc tout ça, c'est une négociation permanente. Je pense qu'il ne faut pas céder aux demandes de formalisation, on va dire, mettre dans le formol nos villes par une tranche de la population. Mais c'est difficile parce que les gens portent de plus en plus souvent plainte. Donc on peut se retrouver rapidement en difficulté. Donc mais là aussi, je pense qu'il faut de l'écoute, du pragmatisme et puis une volonté, une vraie volonté. Dire voilà ce qu'on souhaite, quel est l'intérêt général. Faire comprendre que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Ce qu'il faut, c'est que ceux qui
porte le concert, qui organise le cafeté, puisse dire non, ça répond à des valeurs. Voilà, et on s'engage sur ces valeurs. La pratique, vos valeurs. Et s'il y a un problème, on discute des valeurs. Donc, mais ça, on n'est pas encore là. On n'est pas totalement là. On est encore en train de discuter. Ah, vous faites un concert, c'est pas bien. Vous faites un concert, c'est correct. Il faut remplir toutes les conditions. Bon. Et on est sur de la gestion. On n'est pas encore. Quel sens ça peut avoir? On avait suggéré plusieurs reprises que ce soit des affaires de gestion collective, pas simplement l'individu qui vient faire du bruit. Et puis la police ou l'autorité publique qui décide si c'est supportable ou pas, mais que la gestion de ces phénomènes un peu perturbants soit aussi des affaires de parties prenantes. Comment on fait de la convivialité à partir du conflit, quoi. Et c'est cette permanence de l'écart, de la gestion de l'écart, qui, moi, me paraît intéressant dans une démocratie, pour pas verrouiller en disant ah, « c'est comme ça et pas autrement, c'est la norme, faut pas changer », et pour pas non plus dire « on peut tout faire, de toute façon, si j'ai envie de le faire, je le fais », ce qui rend la société intolérable. Entre les deux, il y a une marge. Ouais. Moi, j'ai toujours appelé ça le rock'n'roll, c'est, quand j'écrivais sur le rock'n'roll, je disais « c'est l'espace qui nous reste entre l'ordre et le désordre, c'est l'espace dionysiaque entre l'ordre et le désordre ». Cause you don't know the way to love me, my girl.